Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sous la canopée, ici Monsieur Green. Vous reprendrez bien un peu de vin. Phrase culte en France et dans les pays européens, le vin a une très longue histoire. Avant de s'inviter à nos tables, le vin tire son émergence de l'histoire de l'évangélisation. Dans la logique du pèlerinage, de la liturgie et de la messe, le vin se rapporte à l'accueil, au partage et à la construction du groupe. Il fait partie de la vie, de la culture et de l'alimentation des Européens depuis des temps immémoriaux. La viticulture s'est développée en Europe avec l'expansion de l'Empire romain à travers le bassin méditerranéen. À l'époque, déjà, le vin était le fruit de techniques agricoles précises qui encourageaient le développement de différentes variétés de raisins et techniques culturales. Des tonneaux furent fabriqués pour faciliter le stockage et le transport. Des bouteilles commencèrent à être employées pour la première fois et un système rudimentaire d'appellation vit même le jour, tandis que certaines régions gagnaient une réputation de production de vin de qualité. Les techniques de production s'affinant progressivement, le produit a peu à peu gagné en popularité et des tavernes où l'on servait du vin se sont répandues dans les villes à travers tout l'Empire. La culture du vin en Europe est bien plus ancienne que la Rome impériale. Dans la Grèce antique, déjà des poètes, historiens et artistes faisaient l'éloge du vin, auquel il est fréquemment fait référence dans les œuvres d'Ésope et Homère. En Grèce, toutefois, le vin était considéré comme un privilège des classes supérieures. Dionysos, le dieu grec du vin, ne représentait pas seulement le pouvoir enivrant du vin, mais aussi ses influences sociales et bénéfices. D'ailleurs, selon l'historien grec antique Thucydide, les peuples de la Méditerranée n'ont commencé à sortir de la barbarie que lorsqu'ils ont appris à cultiver la vigne et l'olivier. Au fil des siècles, l'art de faire du vin s'est étendu à la France, l'Espagne, l'Allemagne et certaines parties de la Grande-Bretagne. Le vin était alors considéré comme un élément important de l'alimentation quotidienne, et on commençait à apprécier les vins plus forts et plus lourds. Ce goût pour le vin a perduré pendant tout le Moyen-Âge. La consommation d'eau n'étant toujours pas sûre, le vin était la boisson de prédilection des Européens en accompagnement des repas. Les moines bénédictins, par exemple, comptaient parmi les plus grands producteurs d'Europe avec leurs vignobles en Champagne, en Bourgogne et dans le Bordelais. La classe marchande et la noblesse consommaient du vin à tous les repas et entretenait des caves bien achalandées. Au cours des 150 dernières années, l'élaboration du vin a connu une révolution totale en tant qu'art et science. Grâce à la réfrigération, il est devenu plus facile pour les vignerons de contrôler la température du processus de fermentation et de produire des vins de grande qualité dans des climats chauds. L'introduction de machines à récolter a permis ensuite aux vignerons d'être plus efficaces et d'élargir leur vignoble. Cette boisson, qui semble avoir une place à part entière, fait partie également de l'univers des alcools. Sachant qu'un litre d'alcool pur pèse 800 grammes, un verre de 14 centilitres de vin rouge ou de blanc à 12 degrés contient autant d'éthanol, soit 13,44 grammes, qu'un verre de 4,2 centilitres de tout autre spiritueux à 40 degrés. Nous entendons souvent également qu'un verre de rouge par jour est bon pour la santé. Même si de nombreuses données épidémiologiques apportent l'hypothèse d'une protection cardiovasculaire liée à la consommation de polyphénol, molécule antioxydante, dans la réalité, les données cliniques sont bien loin de ce résultat, le plaçant comme tous les alcools, comme un produit néfaste pour la santé. Alors que le développement de la vigne a accompagné le développement de l'homme en Europe, cette boisson va-t-elle continuer à le suivre au fil des prochaines décennies? Le 15 août 2020 avait lieu le premier coup de sécateur dans le Bordelais et le Bergeracois.
Fait plutôt rare puisque les vendanges débutent généralement mi-septembre. Aujourd'hui, les vendanges s'effectuent en moyenne 2 semaines plus tôt qu'en 1980. Cependant, ces récoltes faites alors que les températures sont encore élevées altèrent les composés aromatiques de la baie. Aussi, la récolte de nuit pourrait devenir la norme. Depuis des années maintenant, nous pouvons constater l'impact du réchauffement climatique sur les vignobles. Les sécheresses répétées d'été rendent la quantité insuffisante. Cependant, cette forte chaleur accentue la teneur en sucre et donc en alcool. En 30 ans, le degré d'alcool potentiel a augmenté de 1,8 à 3 degrés, en partant des Côtes du Rhône jusqu'au Languedoc. Le millésime 2020 sera donc très bon, avec des rendements assez faibles, mais avec une qualité exceptionnelle et des niveaux de maturité qui n'existaient pas dans certaines régions, comme dans l'Yonne, par exemple, il y a quelques années de cela. Un rapport publié en novembre 2018 par l'Institut national de la recherche agronomique appelle les viticulteurs à mobiliser leur capacité d'adaptation. Le réchauffement climatique va durablement impacter les vignobles. Tout d'abord, le goût. L'équilibre aromatique des vins va se modifier et peut amener certains châteaux à la faillite. Même si les régions du Nord se réjouissent de pouvoir désormais planter des cépages, car d'ici la fin du siècle, avec le réchauffement, toute la France sera éligible, alors que les anciens vignobles comme le Bordelais souffriront de températures extrêmes. Pour pallier un scénario catastrophique, la filière vin s'organise et mise sur l'innovation, comme par exemple valoriser la diversité génétique, avec des porte-greffes combinant maturité tardive et résistance à la chaleur, ainsi qu'une insensibilité aux maladies. Les processus de vinification vont également évoluer par le choix de levures, le contrôle des températures, des techniques de suppression d'alcool ou d'acidification par exemple. Bien évidemment, les techniques sur le terrain doivent également évoluer. Protéger les vignes par des haies, les enrichir avec des amendements organiques, du paillage ou du feuillage. Relocaliser les cépages est également un enjeu selon la nature des sols, la pente, l'altitude ou bien l'exposition. Il nous faut faire vite, les changements sont rapides et incertains. Prenons l'exemple de la Californie qui brûle depuis des mois maintenant et qui vient de voir il y a quelques jours ses célèbres vignobles de Napa Valley ravagés par les flammes. Des milliers de personnes ont dû évacuer leur logement, plusieurs vignobles sont partis en fumée comme le domaine de Newton Vineyard qui appartient à notre cher Bernard Arnault par le biais du groupe LVMH. Déjà touchés en 2017, les comtés de Napa et Sonoma en Californie voient chaque année le réchauffement devenir un danger de plus en plus destructeur avec des vagues de chaleur au vent sec propices au début d'incendie. Bien évidemment, l'enfer qui se déploie en Californie est clairement identifié par les scientifiques comme une conséquence du réchauffement climatique. Il y a quelque temps, nous aurions pu penser que ce type d'événement extrême n'arrive qu'aux autres et que nous ne serions que partiellement conscients des changements engendrés par le réchauffement climatique en France, mais c'est faux. Aujourd'hui, nous sommes tous concernés par le réchauffement et il dépasse de loin tous les défis auxquels l'humanité n'a jamais été confrontée dans sa modernité. Il faut impérativement travailler avec la nature et le changement et non contre, sinon nous perdrons un temps précieux. C'est tout pour aujourd'hui. Excellente semaine à toutes et à tous. C'était Monsieur Green. Fin de la retransmission. Comment c'était? Oh, 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 c'était un pur, absolument délire. J'ai trouvé ça quoi, Green? Oui. Green, comment? Oh, super Green. Aussi Green que ça peut être. Green, la puissance des Green, Green, Green. Tu vois? Mais tu vois le Green, Green absolument. Green, un Green plus Green.